La seule chose, Sloane en guerre avec Peter, elle révèle raison pour laquelle elle accepterait de le revoir, ZAPTV. Besoin de rien, envie de toi, chantaient Peter et Sloane dans les années 80. Un tube devenu culte qui, aujourd'hui encore, continue de faire danser et chanter. Mais ce morceau cache une réalité bien funeste puisqu'en avril dernier, sur le plateau de TPMP People, Sloane avait affirmé avoir été victime de violences conjugales de la part de son acolyte. Elle aurait en effet été en couple avec Jean-Pierre Savelli, de son vrai nom. Entre 1983 et 1985, chose qu'il a niée de son côté, et aurait vécu un véritable cauchemar. Dénonçant son comportement de pervers narcissique, elle avait déclaré, un jour à Nice. Il m'a donné un coup de tête entre les deux yeux et j'ai eu les yeux au beurre noir pendant 15 jours. C'était pendant la tournée de Michel Leeb. Ces accusations, Sloane les a réitérées dans l'émission de Jordan Deluxe sur C8. Ce jeudi 12 janvier, à ceux qui douteraient de sa bonne foi, elle a assuré qu'elle disait la vérité et en a pour preuve le fait que Peter ne l'a pas attaquée pour diffamation. Il sait que c'est vrai. Il ne peut pas tenir devant un tribunal, il le sait. Il sait que j'ai des témoins, a-t-elle déclaré avec assurance. Si Peter et Sloane sont restés en contact depuis la fin de leur duo mythique, la chanteuse de 65 ans avait révélé en 2020 que cela faisait 3 ans qu'elle n'avait plus de nouvelles de son ancien acolyte. Désormais, elle ne veut plus entendre parler de lui, surtout depuis qu'il a nié qu'ils avaient été en couple. Les tensions sont tellement vives qu'elle l'assure, elle ne remontera plus jamais sur scène avec lui. Dans une autre vie peut-être mais pas dans celle-là, c'est sûr, a-t-elle martelé face à Jordan Deluxe. Pour elle, hors de question de croiser à nouveau la route de Peter un jour. À une exception près. Point. Ce serait tellement impossible dans ma tête. La seule chose qui pourrait se passer c'est qu'on refasse un troisième film Star 80 et que Thomas, note de la rédaction, Langman, nous rappelle. Là, je le ferai, parce que quand on a tourné les films, on ne se parlait pas. A révélé la star d'un tube. Il ne faut jamais dire jamais.